Monsieur Valnec? Quel plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Bien. Bien. Qu'est-ce qui vous a fait sortir? Je vais essayer de... Vous en voulez? Oui, pourquoi pas. Tenez. Merci. Elles sont très jolies. Combien je dois? Non, laissez, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. C'est très gentil. Au revoir, monsieur Valnec. Au revoir. Monsieur Valnec? Victor? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu au village. Comment allez-vous? Ça va, merci. Où étiez-vous passé? J'étais chez moi. J'avais besoin de... silence. Je vois. Elles sont très belles. Cela va lui plaire? Vous croyez? J'en suis sûr. Au fait, j'ai une lettre pour elle. Vous pourriez peut-être lui transmettre? Ça va aller? Il faut que je parte. J'ai encore du courrier à distribuer. Oui, bien sûr. Au revoir. J'étais content de vous voir. Au revoir. Victor, mon fils, comment allez-vous? Ça fait bien longtemps qu'on ne vous a pas vu. Oui, je sais. J'en suis navré, mon père. Il fallait bien que vous sortiez un jour. Où alliez-vous? Je voulais aller la voir, mais elle m'a quitté, abandonné. Je ne peux pas. Allons-y, mon fils. Ça vous fera du bien. J'en suis incapable. Ça fait mal. C'est un mal par lequel vous devez passer, mon fils. Allez-y. Elle doit vous attendre. Me voilà, Lucie. J'ai mis du temps, mais je suis venue. Je t'ai apporté ça. J'espère qu'elle te plaise. J'ai aussi cela pour toi.
une lettre de ton amie Julie. Je lui expliquerai. Ça a été difficile ces derniers temps. Mais il faut que je recommence à vivre. Bon anniversaire, mon ange.